Général e-France est présent pour la première année sur le challenge des grandes écoles et des universités, parce que pour nous, le recrutement, c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons besoin de jeunes qui ont envie de participer à un projet d'entreprise. C'est un événement qui conjugue le plaisir, l'énergie, l'enthousiasme, un certain nombre de valeurs sportives. Et ça, au niveau de l'entreprise, ça nous parle énormément. Cet événement-ci, c'est un point d'orgue, de par la taille, son ampleur, mais aussi l'atmosphère qu'on peut y retrouver. Le nombre d'étudiants qu'on peut rencontrer, il est unique et incontournable. Renault est une entreprise qui se reconnaît particulièrement dans les valeurs du sport que sont la solidarité, le goût de l'effort, le sens de l'engagement. Et puis parce que Renault a des enjeux de recrutement, a des enjeux de repositionnement de sa marque employeur. Notre présence sur ce challenge du monde des grandes écoles et universités est essentiellement liée à nos ambitions en matière de recrutement. De faire savoir aux gens que nous existons, que nous recrutons, que ce soit dans le monde du conseil ou dans le monde plus classique de l'intégration de services. C'est important pour moi de venir ici parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises. Le fait d'être au contact avec eux directement, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu peut-être faire en temps normal. Le forum, ça peut m'apporter beaucoup. J'ai remporté le 10 km Lagardère du challenge du monde des grandes écoles en arrivant première féminine en 41 minutes. Je suis super contente. Il y a des côtés où on peut s'amuser vraiment et se dépenser. Et d'un autre côté, pouvoir rencontrer les entreprises. Le challenge des grandes écoles est vraiment un événement à reconduire chaque année. C'est génial. C'est important pour nous d'être connectés aux écoles, d'être connectés aux jeunes, de voir un petit peu leurs attentes, ce qu'ils peuvent nous offrir et nous, ce qu'on peut leur proposer en termes de perspectives. Nous avons énormément de besoins dans tous les domaines de l'ingénierie. Et donc du coup, très intéressant pour les jeunes de pouvoir rencontrer ces professionnels dans les métiers pour lesquels ils se destinent demain. On est présent sur tous les forums classiques. Il n'y a pas cet équivalent ailleurs. C'est un événement qui est unique et donc qui permet de se démarquer grâce à lui, rien que grâce à lui, vis-à-vis des étudiants. Pourquoi c'est important pour nous d'être ici? Nous orientons notre recrutement essentiellement vers des sportifs, des pratiquants de sport. On vient ici parce qu'il y a une sorte de rencontre entre les salariés de l'entreprise et puis également des contacts avec des jeunes de grandes écoles. Je trouve que c'est bien, c'est convivial, ça permet aux gens de voir le basket fauteuil, ça permet aux gens de voir en même temps les entreprises, d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quelque chose d'important, ouais, qu'on puisse avoir ce type de manifestation et de créer la rencontre surtout. C'est l'émulation que ça engendre, ce type d'événement qui est passionnant. Cette année, nous, on avait à peu près 50 personnes, 50 jeunes en situation de handicap. Ils vivent leur rôle d'étudiant comme n'importe quel étudiant et c'est ça qui est sympathique. J'espère que ce moment et cet instant sera un moment de partage entre étudiants, entreprises et un moment de bienveillance parce que dans le monde dans lequel on vit, on en a bien besoin. Se servir du sport pour permettre un meilleur lien entre le monde de l'entreprise et celui de l'école, parce qu'il y a souvent un gap hein, quand on sort de l'école. L'entreprise, c'est un univers qu'on ne connaît pas, qui a ses codes. Et ben là, ça permet de mieux se comprendre, de mieux se rencontrer. Je discutais avec Stéphane, il me disait, mais tu sais qu'il y a des étudiants qui arrivent en fait à passer des entretiens et à se faire embaucher ici alors qu'ils sont habillés en sportif. Mais je trouve ça génial. Je crois que c'est la 7e édition. Ben, je vous souhaite encore plein d'éditions.